Ici Gentooky et bienvenue dans un nouvel épisode de mon walkthrough sur Metroid Prime de cause. Bon, dans cette magnifique période de Noël où le taux de suicide parmi les célibataires augmente de 26% et où le taux de terrorisme au niveau des rues de Paris, des voitures et de Strasbourg augmente d'environ 75%, ouais. Mis à part ces bonnes nouvelles, continuons donc notre aventure. Bon. Ayant donc obtenu la boule araignée, je vais avoir accès à une zone d'Entorvus qu'il me faut aller visiter pour obtenir une autre arme. Alors, oui, regardez un peu. Voilà, nos petits emmerdeurs. Cette technique est complètement... Oui. Le Dark Beam, faut bien dire ce qui est. C'est un super rayon. Ah, comment j'adore en plus. On n'a pas la peine de recharger les munitions. On n'a pas besoin de ça, nous. On a besoin que de notre... Main déjà, ouais, par contre, les missiles, ouais, même pas la peine en fait. Bon, les jetés de guêpes, mais on s'en fout abominablement. Et c'est là que la... non, elle est pas trop. Oui, des fois, les sas font un peu de temps à s'ouvrir. Ouais, elle écrit là, si je l'avais dit en plus, oula, l'Alzheimer, ça fait des dégâts, croyez-moi. Bon, les gameplay, les bestioles, les tas de merde abominablement moches là. Voilà, ça crève ça, c'est fait. Oh. Bon. Ah oui, petite info pratique. Il existe des ascenseurs qui mènent entre différentes régions. Puisque donc vous avez forcément ces ascenseurs que vous connaissez qui partent des terres du temple jusqu'aux trois autres régions, qui sont donc les marais, le désert et la forteresse. Mais il y a aussi des ascenseurs pour passer d'une des trois régions à une autre. C'est-à-dire entre désert forteresse, désert marais, marais forteresse. Bon, et donc vos fumiers habituels, voilà. Absolument pas envie de voir. Bon, save pour aussi peu, c'est même pas la peine. Pour 3 minutes, franchement. En plus de 5 ans, excusez-moi. Donc là, il faut se rendre. Ouais. Faut se faire chier. Relax, c'est Noël. C'est Noël. Tranquillement. Oui, non, peut-être, oui, je sais pas. Allez hop, zou. Bon. Réflexion, oui. Allez. Un peu. Oh, attendez, ouf, faut que je... Oui, comme par exemple cet ascenseur là, vous voyez, je crois que c'est vers le désert d'Agon qu'il mène. Si je me souviens bien, celui-là. Zoua. La barrière de sécurité est toujours aussi stylée, je trouve. Avec mon armure absolument géniale. Allez hop, zou zou zou, ouais. On sauvegarde là parce que bon, perte de temps après, puisqu'à partir de 4 minutes ça devient une perte de temps réelle. En cas de coupure de courant, surtout qu'à Noël, il y a tout qui merde. Toujours, il y a toujours une bonne excuse pour que le courant et internet merdent en même temps. C'est une loi de la physique probablement. Bon, oui, donc là nous allons par là. Bêtement en bas, nous allons nous taper un boss absolument monstrueusement dégueulasse.
est assez pète bonbon d'ailleurs. Pas autant que l'était le gardien arachnéen. N'inquiétez pas. Mais qui approche la question de difficulté? Est-ce qu'il y en a là, non? Oh, drôle de chose là. Bon, vous avez donc un mur là. Vous vous dites, je peux y accéder sans les rails. Parce que moi, turbo-gravité, regardez un peu. Vous aurez beau essayer, même avec le turbo-gravité, c'est impossible. Le mur est trop haut. Il vous faut cette chose. Accéder à ce portail. Et face à ce boss, vous aurez besoin de plusieurs choses. Majoritairement. Boule morphing et boule araignée. Voilà. C'est tout ce qui va vous être vraiment vital pour le battre. Parce que cette chose que vous voyez là, là, gardien de puissance, voilà. Il a vu comment ça sonne. Donc en gros, c'est un Vénus, vous voyez ces bestioles-là, qui a absorbé la Power Bomb, qui au lieu de vous cracher ses aiguilles empoisonnées, vous crachera donc des bombes de puissance. Et une carapace totalement impénétrable. La seule chose qui puisse le battre, c'est parce que... Voilà, il y a une sorte de champ d'énergie à cause de la bombe de puissance qui fait ricocher les tirs. Donc, le but est très simple. Voilà, faut un peu le tromper. En changeant de direction, parce qu'il prévoit votre trajectoire. Et j'ai failli me faire avoir. Une fois que vous êtes dans ce premier connecteur, donc, vous larguez les bombes. Voilà. Ça va un peu lui faire mal. Vous passez avec la boule turbo, oui, ça peut être utile la boule turbo aussi. Voilà. Voilà, vous changez de direction juste avant qu'il crache sa bombe, pour qu'il la crache comme ça. Voilà. Les changements de direction fréquents sont une stratégie qu'il faudra adopter. Voilà, comme ça, là. Juste avant qu'il crache sa bombe, comme ça, ça va le tromper. Voilà, deuxième connecteur activé. Il y en a 4 au total des connecteurs. J'ai fait les deux plus durs d'abord parce qu'après. Voilà, hop. Je suis en direction pour le tromper encore une fois. Voilà. La bestiole s'est pris ça dans la gueule déjà. Zou. Ça, c'est fait. Et maintenant, il reste plus que le premier connecteur, le plus facile. Voilà. Hop, zou. Et ce qui se passe, de la purée. Voilà. Recette de préparation de purée. Allez voir les 4 connecteurs, activez les connecteurs, foutez les bombes dedans. Une fois que les 4 connecteurs sont activés, que les 4 verrous du pont sont ouverts, la purée est prête. Ling est en bouillie. Splatch. Et donc vous avez la chance d'observer. Oh, la power bomb. Et voilà. Une arme très puissante quand même. Par contre, il faut utiliser avec parcimonie parce que vous l'avez pas en illimité. Fort dommage. Un peu pète bonbon, ça, mais bon. Faut apprendre à gérer ses munitions. Hein. Donc vous l'utilisez. Voilà, vous en avez 2 quand vous avez commencé. Voilà. Qu'on a 2 parce qu'on n'a pas chopé de réserve.
les réserves augmentent chacune de 1, on s'en sert avec Y. Donc vous avez deux types de bombes, les petites, comme ça, et face à ces portes jaunes, il n'y a que ça qui marche. Un truc qui vous fait hein, désintégration. Et là je suis coincé dans ce sac à merde, non, c'est bon, c'est juste un angle dans lequel je me suis coincé en fait. Bon, bon. Voilà, on passe par là maintenant, et ensuite... Et voilà. Même pas 6 minutes, je l'ai bouclé le boss. Oui, donc c'est vrai que faut connaître la technique parce qu'il y a des fois où il peut être vraiment fait de bonbon. Ça peut arriver qu'il y a certains coups qui passent très mal. Dans ce cas-là, faut prendre patience et retourner dans les bulles de, dans les bulles d'air et alterner entre les bulles d'air pour pouvoir recharger le PV. Hop. Voilà, une power bomb de recharger, ça tombe bien. J'ai besoin de ça, justement. Oula, et oula, il bug. Encore fait une viandée, encore lissé. Bon. Qu'est-ce que je fais là? Je peux expliquer ce qui s'est passé là, pourquoi je suis tombé là? Zoom. Voilà. Alors nous on sauvegarde. La power bomb ayant été obtenue vite fait bien fait, maintenant nous retournons à la forteresse du sanctuaire. On pourra peut-être repasser par le vaisseau, mais je me tâte. On aura pu pas le faire parce que la flemme, c'est juste pour recharger les trois rayons. La flemme. Voilà. Voilà, sur mes rayons, je peux faire ça. Ça marche aussi bien. Faire tout soi-même, c'est mieux. Voilà. Dépendant de la consommation. Survivaliste là, il a un malin moi. Oh, yeah, yeah. Oula. Et c'est là que, bah non ils apparaissent pas. Non je suis parano alors. Bizarre, j'ai un souvenir pourtant des commandos dans cette pièce là. Étrange souvenir. Souvenir, je vous dis. Moi. Bon, alors nos petits fumiers vont arriver, mais j'ai la flemme, donc non, on les combattront pas. Et là, ouais, j'ai tout pris dans la gueule encore. J'ai voulu me prendre pour le droit de l'esquive, aller dans ce côté-là, mais j'ai tout pris dans la gueule quand même. Pour souris kamikaze, là. Yol. Ces ascenseurs, moi. Bon, allez, maintenant, nous fonçons avec stupidité. Oui, les power bombs peuvent aussi détruire les nids de guêpes. Hein. Ça détruit. Et ces guêpes peuvent aussi détruire les nerfs. Me briser. La patience et autre chose. Bon. Ouais, énergie. Ah oui, pour les capsules d'énergie aussi, parce que c'est important. Les violettes restaurent 10 PV, les rouges 20, les bleus 50 et les dorés 100. Et chaque carré équivaut à 100 PV. Non, je précise comme détail parce que
me suis aperçu, je n'avais pas précisé depuis le début en fait, puisque moi ça me paraît tout logique, mais... Allez, nos emmerdeurs professionnels. Ouais, bah si t'es pas content, bah casse-toi pauvre con. Un pirate de merde. Bon, on va me faire le dernier. Zoom. Bon, il est où ce fumier là? Ah, il est là, cet enfoiré, tiens. Voilà, crève. Retour dans les ténèbres, une saloperie. On va pas d'avoir des munitions pour rien, tiens. Voilà. Bien sûr, parce qu'il y a des caisses dans cet endroit, j'ai pas envie de perdre du temps à aller dans le vaisseau. Hein. Voilà, il faut prendre des munitions par là. On a pas des... Ah ben des caisses là-bas, je crois bien. On a aussi là, oui, ça vous permet de découvrir les endroits où il y a des caisses, ça va vous servir. Ou pas du tout, en fait. Les caisses vides, c'est sympa ça. Ça permet de glisser aussi, de se viander. Je vois le super. Il faut savoir user avec ça des fois. Savoir user avec les petites caméras. Un peu de triche. Un peu de triche. Bon. Ah, nom de Dieu. Voilà, on a explosé les bobs donc. Ouais, nous avons donc à voir la magnifique. Oh, fumier. Et les munitions, elles sont. Bon, tant pis, m'en fous. Je m'en fous de toute façon. J'en ai encore plein. D'ailleurs, vu les épreuves qui attendent, je pourrais prendre une chourine petite réserve de plus d'ailleurs. À gauche donc. J'aime bien ce rayon. C'est complètement lamentable ce que je leur fais. Oui, si, vu le temps. Hop. Eh bien, merci d'avoir regardé à ceux qui l'ont fait. Pouce vert et abonnement, ça fait plaisir, hein, n'oubliez pas. Eh bien. Donc c'est fini, c'est que vous loupiez rien. Voilà. Merci de regarder et à la prochaine.